Bonjour Afro-Africa TV, Afri mon Afrique. Nous sommes ici à la conférence de bienvenue à la première dame du Mali, conférence organisée par MaliWatch avec la participation de l'ambassade du Mali à Washington DC. Le mot de bienvenue vous sera donné tout à l'heure par Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence El Mahmoud Keïta, à la première dame du Mali à Washington. La première dame que nous voyons dans là, un grand poster rouge. Qui nous a rejoint il y a quelques jours dans la capitale et qui offre cette conférence à la mémoire des victimes du Mali, que nous allons écouter. Merci. Je suis très émue par ce que je viens d'entendre. But I will try to speak French. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, sous-secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines du département d'État. Honorable ambassadeur, assistant secrétaire of the Department of State in charge of African Affairs. Monsieur l'ambassadeur du Mali aux États-Unis. Honorable ambassador of Mali to the United States. Madame Viviane Derrick, présidente de Mali Watch et présidente et directrice générale de British Institute. Mrs. Viviane Derrick, chair of Mali Watch and the CEO of British Institute. Distingués invités, mesdames et messieurs. Distinguished guests, ladies and gentlemen. C'est avec émotion et avec gravité que je participe aujourd'hui à Washington DC à cette rencontre extraordinaire de Mali Watch. I'm very moved in attending this extraordinary meeting of Mali Watch here in Washington DC. À ce moment précis, je pense aux soldats maliens qui ont payé leur vie, leur engagement au service de la paix, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Mali. In this precise moment, I think about the Malian soldiers who paid the highest price for their commitment to peace, sovereignty, the territorial integrity of Mali. I want to observe a minute of silence. Thank you. I also think about the families and the team. I mean, mother of soldiers who died in the conflict. Dans cette tragédie. Et je me dis, nous devons aujourd'hui être dignes de leur mémoire et dignes de leur souffrance. I also think about the French and African soldiers killed in this tragedy, and I'm saying that today we should be worthy of their memory and their suffering. Je rends hommage à tous ceux, militaires, bénévoles, humanitaires, qui risquent leur vie pour que la paix et la sécurité l'emportent. L'extrémisme et le terrorisme dans le nord du Mali et dans la région du Sahel. I'm paying tribute to all those military or humanitarian volunteers who are risking their lives so that peace and security prevail over extremism and terrorism in the north of Mali and in the Sahel region. L'harmonisation progressive des positions de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, de la France et des États-Unis dans le cadre du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali a créé les conditions du succès des opérations militaires engagées au nord du Mali. Et je tiens à saluer la contribution déterminante de la diplomatie américaine dans ce succès. The progressive harmonization of the position of ECOWAS, the African Union, the United Nations, the European Union, France and the United States within the framework of the group of support and follow-up of the situation in Mali
created successful conditions for the military operations led in the north of Mali, and they welcomed the determined American contribution in the success of these military operations. Ce qui est en jeu, c'est la paix et la sécurité du Mali, de l'Afrique et du monde. Peace and security in Mali, in Africa and in the world is at stake. Ce sont nos valeurs universelles démocratiques. These are our universal democratic values. Ces valeurs traduisent notre refus des haines ethniques, de l'intolérance des extrémistes et de la violence des terroristes et des réseaux de la criminalité nationale organisée. These values translate our refusal of ethnic hatred, intolerance, extremist violence of terrorists and network of transnational organized crime. Il y a quelques semaines, mesdames et messieurs, les militaires français, maliens et africains ont repris le contrôle des régions du nord du Mali. Ladies and gentlemen, just some weeks ago, French, Malian and African military took control of the northern regions of Mali. La chance dans la malchance. This is luck in bad luck. À l'antique cité de Tombouctou, ils ont trouvé des témoignages insoutenables d'exactions et les restes calcinés d'un patrimoine culturel inestimable. In the legendary city of Timbuktu, they found unsustainable testimonies of exactions and facilities in many of the invaluable cultural heritage of the city. C'est-à-dire que ceux qui s'attaquent à la liberté s'attaquent généralement aussi à la mémoire, aux bibliothèques et aux universités. That means that those who undermine freedom also undermine and destroy memory, libraries and universities. Plus que jamais, la communauté internationale doit se mobiliser pour réhabiliter le patrimoine culturel du nord du Mali ayant souffert de l'occupation islamiste et sauvegarder les manuscrits anciens de Tombouctou. More than ever, the international community should be mobilized in order to rehabilitate the cultural heritage of the north of Mali that has suffered from the Islamist occupation and preserve the ancient manuscript of Timbuktu. Mesdames et messieurs, dans quelques mois, les élections présidentielles et législatives se tiendront au Mali. Ladies and gentlemen, in some months, presidential and legislative elections will be held in Mali. Dans l'attente de cette échéance tant désirée par le peuple malien et la communauté internationale, un soin tout particulier est à réserver aux réfugiés et personnes déplacées, aux femmes et aux enfants maliens. In expectation of these elections so wanted by the people of Mali, the international community, particular attention should be given to the Malian refugees and displaced persons, women and children. Il s'agit de flux migratoires concernant des dizaines de milliers de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire et qui, surtout, sont privées de leurs droits élémentaires et blessées dans leur dignité. These are migration flows concerning tens of hundreds of persons who need humanitarian assistance and who are deprived of their elementary rights and hurt in their dignity. Il s'agit aussi de la pratique systématique des viols pendant l'occupation des régions du nord du Mali, qui a placé en pleine lumière les exactions des groupes armés extrémistes et terroristes. Moreover, it is about systematic practice of rape during the occupation of the northern regions of Mali that sheds light on the exactions committed by armed extremists and terrorist groups. Il s'agit également et surtout de milliers d'enfants vivant le drame de réfugiés et de déplacés dans une situation d'urgence complexe, exacerbée par la crise nutritionnelle qui a eu lieu dans la région du Sahel et qui risque d'affecter plus de 15 millions de personnes dans les mois à venir.
It is also about the main about hundreds of children who are experiencing the drama of refugees and displaced persons in a complex emergency situation exacerbated by the nutritional crisis in the Sahel region, and that will affect the lives of several million of persons in the upcoming months. Plus d'un million d'enfants de moins de 5 ans risquent également d'être atteints par une malnutrition aiguë et sévère. More than 1 million children of less than 5 years will also be affected by acute and severe malnutrition. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, chère Viviane, dear Viviane, le but ultime de MaliWatch consiste à mettre au point et à mûrir les approches adéquates et les plans officiels à même d'aider le Mali à dépasser les crises profondes qu'il traverse et à réaliser la transition démocratique souhaitée, de sorte à préserver la souveraineté du pays et à sauvegarder les droits de l'homme, point de convergence de l'état de droit, de la culture démocratique, de la bonne gouvernance et partant d'une vie politique apaisée. I'm convinced that my work will remain dynamic during the upcoming crucial period and beyond in order to serve the interests of the people of Mali, interests focused on human rights, point of convergence of the rule of law, democratic culture, good governance and peaceful political life. Aujourd'hui, la communauté internationale apporte au peuple du Mali une promesse de paix. Today, the international community brings the promise of peace to the people of Mali. Mais la vraie paix reste à construire dans les esprits et dans les cœurs. Et avec elle, la démocratie, la liberté des hommes et la réconciliation. The true peace is to be built in the spirit and heart, and together with democracy, freedom and reconciliation of the people of Mali. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, pour conclure, je voudrais exprimer toute la gratitude du peuple malien aux États-Unis d'Amérique, à la France, ainsi que tous les membres de la communauté internationale qui se sont mobilisés à nos côtés pour obtenir la libération de notre territoire national et défendre l'identité du Mali uni, multiculturel et démocratique. In conclusion, I would like to express the whole gratitude, the entire gratitude of the people of Mali to the people of the United States of America, to France, as well as to the members of the international community who get mobilized with us in order to free our national territory and defend the identity of a united, multicultural and democratic Mali. Le rétablissement durable de la paix et de la sécurité au Mali incombera d'abord au peuple malien du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et j'invite tous les Maliens à écrire ensemble le chapitre du dialogue et de la réconciliation. Ce sont nos valeurs universelles démocratiques. These are our universal democratic values. Ces valeurs traduisent notre refus des haines ethniques, de l'intolérance des extrémistes et de la violence des terroristes et des réseaux de la criminalité nationale organisée. These values translate our refusal of ethnic hatred, intolerance, extremist violence of terrorists and network of transnational organized crime. Il y a quelques semaines, mesdames et messieurs, les militaires français, maliens et africains ont repris le contrôle des régions du nord du Mali. Ladies and gentlemen, just some weeks ago, French, Malian and African military took control of the northern regions of Mali. La chance dans la malchance. This is luck. À l'antique cité de Tombouctou, ils ont trouvé des témoignages insoutenables d'exactions et les rescalcinés d'un patrimoine culturel inestimable.
C'est-à-dire que ceux qui s'attaquent à la liberté s'attaquent généralement aussi à la mémoire, aux bibliothèques et aux universités. That means that those who undermine freedom also undermine and destroy memory, libraries and universities. Plus que jamais, la communauté internationale doit se mobiliser pour réhabiliter le patrimoine culturel du nord du Mali ayant souffert de l'occupation islamiste et sauvegarder les manuscrits anciens de Tombouctou. Il s'agit aussi de la pratique systématique des viols pendant l'occupation des régions du nord du Mali qui a placé en pleine lumière les exactions des groupes armés extrémistes et terroristes. Moreover, it is about systematic practice of rape during the occupation of the northern region of Mali that sheds light on the exactions committed. Dans le respect de leurs différences culturelles, toutes ont leur place dans la grande famille malienne. Our populations of Mali should learn again to live together in respecting their cultural differences. Mali is a big family. It's the family for all Malians, no matter the cultural differences. It's a big family for all the Malians. Je vous remercie. I thank you very much. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you so much, Mali's first lady, for this very inspirational message addressed to Mali Watch members here present. And Vivian, can we pass to maybe to some questions from our audience addressed to the First Lady? And we also appreciated your statement at the end about the multicultural nature of Mali and the importance of including all Malians moving forward. Nous vous remercions aussi pour avoir mis l'accent sur le caractère multilatéral du Mali, d'avoir invité tous les Maliens à se donner la main et à vivre ensemble malgré leurs différences culturelles. Usually after a presentation, we are graced by this vigorous question time. So I know that the members of Mali Watch have many questions for you. But this time, instead of being themselves, they are going to be polite. Donc, madame, d'habitude, après les communications, nous nous prêtons un exercice de questions-réponses. Donc, les membres de Mali Watch vont certainement vous poser des questions, madame. Et cette fois-ci, bon, avant, entre eux-mêmes, les questions étaient très vigoureuses, mais cette fois-ci, c'est sûr qu'ils tiendront compte de votre présence en posant leurs questions. Seront polis, oui, oui, hein? Oui, c'est seulement pour vous. J'accepte, mais ça ne soit pas politique. Ça ne soit pas politique, je réponds. Well, I do accept if it is not political. Yes, I do accept. Okay. All right. The question. All right. So we'll start with me. Please say your name, your organization. Yes. Excellency, thank you very much. My name is Nia Kwetesh. I used to be the director.
director here of Africa Action, and as Vivian mentioned, I helped George Soros start OCY in West Africa, in which we work with Somalians, and which was the occasion for my visit in Mali. Concern of yours. And so I was wondering if you can say a few words about the situation and how you think what we do here in Washington can assist with helping people who are displaced in and out of Mali. Vous pouvez nous parler de la situation qui prévaut concernant ces personnes déplacées au Mali et probablement nous dire ce qu'il y a lieu de faire pour venir en aide à ces personnes déplacées. Merci. Bon, je vais répondre. Vous dites que c'est que les personnes déplacées, leurs problèmes me tiennent à cœur. C'est vrai, on ne peut pas ne pas être sensible aux problèmes des déplacés. C'est true. Humain. Yeah, one cannot we have to be very sensitive to the issue of displaced persons. It's just human. Bon, il y a un mois, deux mois, j'ai fait le tour de deux sites. J'ai été au Niger voir les déplacés. J'ai été au Burkina également. Et j'ai vu leur situation et j'ai compris et j'ai su ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de la santé, ils ont besoin de manger et ils ont besoin d'être logés. Parce que là, quand on est déplacé, on n'est pas chez soi. Displaced person. 2 months ago, I visited displaced person in Burkina Faso and Niger. There, I saw in what condition they are living. And I understand also their needs. And their needs are mainly needs of health, needs of food, needs of housing. So they live, they are big groups, women, men and children. And in this condition, it's not easy to find an adequate housing for each family. And you can notice also that children are just running everywhere. They don't go to school. There are no schools. So, and women also stay at home doing nothing. Men also have no job. They do nothing. So these are the real situation in the camps. Et je veux dire, les conditions sont déplorables, mais il faut quand même féliciter et remercier le gouvernement du Mali et les pays hôtes pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour aider ces populations déplacées. I was saying that conditions are very hard in the camp. Nevertheless, one should thank the government of Mali and its partners. So I have to take one from a woman, and Adan has had her hand up for a long time. C'est pas facile d'être première dame dans un pays en guerre. Et comment vous vivez votre rôle de première dame dans cet état de conflit? Vous en avez parlé. Vous avez parlé des réfugiés. Il s'agit de leur apporter de l'aide dans les pays voisins. Est-ce que vous pensez à leur ramener au Mali, au berceau malien? Est-ce que vous avez des projets dans ce sens? Avez-vous initié des projets pour venir en aide aux femmes qui ont été victimes des exactions? Parce que la société malienne est une société très violente et les premières victimes sont déjà les femmes. Les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que vous faites en tant que première dame, en tant que première malienne pour endiguer ce fléau, les violences faites aux femmes? Je ne pourrais pas conclure sans vous remettre cet argent, qui est quand même une montante de 2 000 $ que l'association des ressortissants des Maliens de l'État de Washington m'a remis afin que vous le portiez au Mali pour aider aux efforts de guerre du Mali. Donc je suis heureuse de vous remettre cette enveloppe de 2 000 $. Voilà.
She was saying that it's very hard to be a first lady, especially in a country in conflict. That was asking the first lady how as a first lady she experiences this conflict, how as a first lady. And beyond that, she's saying that at the very beginning, she said that she visited many camps to see refugees and displaced persons. What does she think? How can, what should be done to help? As we know that in conflict, women are the first, women and children are the first victims of conflict. How should be, what should be done to help women or to bring back refugees to Mali, to help women, especially those who have been raped by the extremist and terrorists. Okay. And at the end, she gave a gift by the Malians living in the state of Washington, a gift of $2,000 to be given to those in difficult situations in Mali. Thank you. Ce qu'elle vient de faire, je la félicite pour avoir une idée de penser au pays. Mais c'est un devoir. Elle a, leur organisation a accompli un devoir qui leur incombait. Compte tenu de la situation du pays, c'est un devoir pour tout Malien de faire un geste. Un devoir moral aussi de penser à ces victimes-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pour ça que je félicite les ressortissants de l'État de Washington. Et je souhaiterais que d'autres, que ça se multiplie, que ça ne soit pas la première intervention. Que ça, c'est la première intervention, mais que ça ne soit pas la dernière. On en a besoin. Et encourage les autres à faire autant. The first lady is saying that she's very grateful to those Malians who think of their country who is in a difficult situation today. And she is thinking that this is a duty for any Malian. Any Malian has the moral duty to help Mali, which is in a difficult situation today. But she thinks that they did the gift, and she thinks this is not the last gift. She's urging all Malians to contribute in order to help Mali. Karim me demande quelle action nous allons mener ou nous envisageons de mener contre les violences faites aux femmes en tant que première dame. Je dis que je ne suis pas une première dame normale. Je suis la première dame du temps de guerre. Et les dispositions, les décisions sont différentes. Pour le moment, c'est contre la violence générale, surtout les Maliens. Alors, on doit se donner la main pour lutter contre cette violence-là. Et le gouvernement a pris des dispositions avec nos amis qui sont là, qui sont en train de protéger les familles. Il y a la sécurité dans les villes, donc il n'y aura plus ce viol-là. La sécurité est là en permanence. Et il y a des hommes armés aussi qui sont là pour même, je dis entre guillemets, détruire ceux qui veulent faire des exactions. Voilà pour les violences. Pour le moment, c'est général, pour voir la généralité. As I was saying, I'm not a normal first lady. I'm a first lady living in a country in war. And regarding the violence, we are addressing the violence in general. We are combating this violence in general. And that's why the government is doing its best to bring back security. The government of Mali is doing its best to bring security. And many efforts have been made in this way. So many efforts have been made in this way. Thank you, Madam. What I've seen from the policies so far from the West, focus has been on military deployment. I won't discuss that now. But that doesn't really
solve the problems for the future of Mali. And we cannot simply provide humanitarian aid until it's necessary. I visited camps in Darfur, Sudan many times, Al-Fashir, and you don't want people living in displaced people's camps for too long because it has a very bad effect on them. Donc la conduite de l'US a supprimé l'accent, le Tibet a supprimé l'accent qui n'est pas un micro en avis et l'a été donné. Mais il y a l'aspect humanitaire aussi sur lequel il faut mettre beaucoup d'accent. Par exemple, nous avons des réfugiés, des déplacés qui vivent dans les camps, sur les sites. Ces déplacés, ces réfugiés ne peuvent pas continuellement vivre dans ces conditions. I've seen no policy that I've seen coming out of the West for durable economic development of Mali and the region. And without a government committed to a vision of the future for its people, for economic development to live on their own, then I think unity and stability are going to be more difficult. And I was wondering if you could say anything about your thoughts or other people's thoughts on where the future of Mali would be and what kind of economic development it would be for the people to raise their standard of living and unite them together on a common mission for the country. Thank you. Comme il l'a dit, l'accent qui nous, selon lui, sur l'aspect militaire, il ne voit pas un programme économique de développement concret, alors qu'il sait que l'unité dont on parle ne peut être basée que sur un développement économique harmonieux. Quel futur vous envisagez pour le Mali? Alors, je vais nous parler du futur, quel futur le Mali aura en Afrique. Et ça, c'est du monde. Il y a des médicaments, il y a à manger, il y a plusieurs choses. Par exemple, des fournitures, des places, des médicaments, et puis il y a des vies. Et c'est des camions que l'on conduit dans les sites. Et moi, je dois faire des déplacements à l'intérieur du Mali. Je dois visiter trois sites, trois ou quatre sites. Et la première dame, je ne sais pas, quelqu'un de la France qui va venir avec moi. Et on va faire les sites là ensemble. Donc ça, c'est l'humanitaire. Donc, ces gens, ce n'est pas un souhait pour nous qu'ils restent toujours dehors. On souhaiterait que chacun retrouve sa maison, sa petite case. On préfère sa petite case à un hangar quelque part, où on perd les habitudes, on n'a pas de repère. Quand ils vont revenir, ils vont s'installer. Donc c'est vers le retour que le gouvernement est en train de préparer, le retour. Parce que les centres de santé ont été saccagés, les bureaux ont été saccagés, les banques, les douanes, tout est cassé. Il faut reconstruire tout ça pour que l'administration puisse revenir et fonctionner normalement. Et ces déplacés qui vont revenir. Et mesdames, le Mali repose sur l'agriculture et l'élevage. L'année passée, c'est pendant la saison des pluies, pendant les trois mois que les gens cultivent, eux, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas cultivé. Donc, c'est avec les récoltes qu'ils vendent, qui se font de l'argent. Il n'y a pas eu ça. On est en train de voir comment les réinstaller. De trouver des fonds pour qu'ils puissent avoir leur autonomie. On ne va pas continuer à les prendre en charge. Même les partenaires, même vous qui nous aidez ou bien qui nous cherchez des partenaires. Chaque chose a une limite. Vous n'allez pas passer tout le temps à chercher. Et eux, ils ne vont pas passer tout leur temps à tendre la main. Il faut leur trouver des moyens. C'est-à-dire leur trouver des fonds que chacun fasse son petit commerce ou bien par groupe, les regrouper autour d'une activité, qu'ils aient quand même leur autonomie financière. Bon, donc leur maison, on va voir comment les reconstruire et comment les faire revenir, se déplacer. Il faut qu'ils reviennent d'abord. If I have to sum up what madame has said, she said that humanitarian actions being conducted. For example, she said that the medicine has been distributed in the camps, food also has been distributed. And once she goes back to Mali, she will visit three sites with a high personality from France. And
our wish, she said that her wish is not that this place would not grow. Gentlemen, please, I would like to introduce His Excellency Ambassador Don Teterboom, Deputy Assistant Secretary for African Affairs. Any worse than I have? Madame. Perhaps we could hear the conclusion of the First Lady's answer to the question about, the question was about going forward, plans for economic development and reconciliation. I think that we're almost to the end of the meeting. Concernant l'aspect militaire, l'aspect militaire était indispensable. Ambassador, so he said that the military aspect is indispensable. Pour faire face aux groupes terroristes, les trafiquants de drogue et autres groupes de la criminalité organisée qui étaient au Mali, au nord du Mali. This military aspect was indispensable to combat terrorists, extremists, and narco-trafficants, to combat them. It was indispensable to have a military intervention for that. Et c'est pour cela que les Nations Unies ont adopté trois résolutions sur le Mali en mettant l'accent particulièrement sur la question sécuritaire au nord du Mali et la menace que cette insécurité dans le nord du Mali représentait non seulement pour le Mali, pour le Sahel, pour l'Afrique, mais pour le monde entier. That is why the United Nations has adopted three resolutions on Mali. By strengthening security and the threat that all these groups constitute, not only for Mali, but for the whole Sahel region. Bon, mon ami Freeman demande sur les perspectives du développement économique au Mali. You were asking prospects for economic development in Mali. Le développement économique au Mali fait partie du développement économique dans la région du Sahel. Economic development in Mali is part of the economic development in the Sahel region. Sur ce plan, il y a quatre échiquiers principaux, quatre points sur lesquels le développement futur du Mali et du nord du Mali est en train de s'exercer. Regarding this aspect, there are four levels for the economic development of Mali. Il y a d'abord au plan du gouvernement du Mali, qui a adopté une stratégie de développement dans le nord et qui est en train d'être exécutée et qui sera accomplie avec la libération des régions du nord du pays. At the level of the government of Mali, the government of Mali has adopted a strategy for developing economic development of the regions in the north. And this program is an achievement right now. It's a program for all the regions of Mali. Également au niveau des Nations Unies, en septembre 2002, nous avons tenu le forum sur le développement du Sahel en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. And at the level of the United States, there was a forum. United Nations. United Nations. A forum was held to address this issue of economic development in Mali and in the Sahel. Et au niveau des Nations Unies, les experts sont en train d'adopter actuellement ce qu'on appelle la stratégie intégrée pour le développement de la région du Sahel dans le Mali. And at the level of the United Nations, there is a program called
integrative program for the development of the region of the Sahel. And you know that Mali is part of the region of Sahel. Également au niveau de l'Union européenne, l'Union européenne a mis en place ce qu'on peut appeler un plan Marshall pour la région du Sahel. De FMI, la Banque mondiale, ont repris complètement leur coopération multilatérale avec le Mali, avec tous les projets qui découlent de cette coopération avec le FMI, la Banque mondiale. We know that the IMF and World Bank resumed completely the multilateral cooperation with Mali. And all the projects have been resumed. Au plan de la coopération bilatérale entre le Mali et ses différents partenaires, une grande majorité de la coopération bilatérale a repris avec les autres pays. And the bilateral cooperation also resumed with many partners of Mali. C'est l'occasion ici d'exprimer toute notre appréciation pour tout ce que les États-Unis, le département d'État, fait pour le Mali dans le contexte actuel. This is the opportunity for us to appreciate, to highly appreciate what the United States, the Department of State, are bringing for Mali in the current situation. L'USAID est complètement actif sur le terrain. USAID is very dynamic on the field. La coopération avec les États-Unis couvre tous les domaines concernant la santé, concernant la femme, concernant l'enfant et la jeunesse, l'aide humanitaire. Cooperation with Mali covers almost many fields, fields such as education, health, so many other fields. Ambassadeur Don Tettelbaum, il reste seulement la coopération militaire bilatérale. Nous comprenons les raisons pour lesquelles on va attendre les élections pour que ça puisse reprendre. The only field that is waiting is bilateral military cooperation, and we know the reasons for that. Et nous comprenons les raisons et c'est tout à fait compréhensible. And we do understand and we hope that this cooperation will resume immediately after the elections. La coopération militaire des États-Unis va très fortement aujourd'hui à la force conduite par la France et le Tchad. L'appui des États-Unis est très ferme et très clair. Today, the United States is helping the international intervention in Mali, especially it supports France and Chad, who are fighting terrorists in the north of Mali. Les États-Unis supportent également tous les plans de la CEDEAO. United States also supports ECOWAS, all the plans of ECOWAS. Et nous comptons sur les États-Unis au plan diplomatique concernant l'adoption de la prochaine résolution au Conseil de sécurité pour la transformation de APISMA en force des nations. And we request the support of the United States for the adoption of the future resolution of the United Nations to transform APISMA into peacekeeping force in Mali. Je demande pardon à Madame la Présidente d'avoir été long, mais mon ami Freeman, on discute longuement et c'était l'occasion également d'avoir le plaisir de parler avec lui en présence de la Première Dame. First lady, I apologize for being too long, but I know my friend Freeman, we used to discuss a long time, we used to have discussions. Thank you for that clarification and for really helping us to see the way forward now in terms of the economy. But I must say that I was moved by the First Lady's statement of the disruption of the war, of the economic infrastructure of the country, and that has to be a primary consideration going forward. So thank you for that. We have been joined by Ambassador Teitelbaum from
from the U.S. Department of State. As I said at the beginning, Mali Watch is really a moving civil society that works closely with government. This would not be possible without the pivotal involvement of both Ambassador Keita and the U.S. Department of State. John Taibaldon has come to Ambassador Taibaldon, has come and met with us on other occasions, and always presents a very clear picture of the U.S. position and what we are anticipating going forward. So, Don, we're really grateful to you for coming on this important special meeting with Madam Farrell, because this is there's nothing like this in the world. This is really unique. So thank you for being one of these pivots. Mon Afrique TV, nous avons la première dame du Mali ici. C'est un plaisir déjà, madame, de vous recevoir à Washington. Bienvenue à Washington, madame. Nous savons que votre temps est très court. Nous voulons vous demander, en tant que mère, en tant que sœur, comment se porte le Mali au moment où vous laissiez le pays. Alors, dire que comment se porte le Mali, on peut dire que le Mali ne se porte pas bien, mais il se porte mieux qu'il y a quelques mois. Parce qu'avec la guerre, on ne peut pas dire que ça va. Oui, nous savons que les femmes subissent tous les malformations, tous les traitements, toutes les violences que vous avez énumérées tout à l'heure dans les débats. Et nous faisons quelque chose déjà ici pour apporter notre apport. Mais s'il y a quelque chose de particulier que vous voulez recommander ici à la population, d'abord africaine qui vont regarder cette interview, parce que c'est d'abord les Africains qui nous connaissent, tous les pays africains en général. Vous vous êtes agressé aux Maliens tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous pouvez demander à vos frères et sœurs africaines? D'abord, les femmes qui subissent cette torture-là ont besoin de votre soutien moral. Le plus important, c'est pour les activer, les amener à travailler, les amener à reconstruire leur famille. Donc, elles ont le soutien moral, il faut leur venir en aide pour qu'elles aient leur autonomie financière. Oui, madame, c'est un plaisir déjà d'entendre qu'il y a la première dame du Burkina Faso qui vous a donné un coup de main. Et nous savons qu'il y a d'autres premières dames africaines qui vont voir cette vidéo. Un message de sœur que vous les envoyez à ces premières dames africaines pour le soutien du Mali. Oui, les premières dames africaines ont été très sensibles aux problèmes du Mali. La preuve, pour ne citer que deux exemples, comme vous le dites, la première dame du Burkina m'a offert une ambulance que j'ai laissée à l'un des sites qui sont au Burkina. Et les premières dames du Nigeria, Sierra Leone, m'ont envoyé 16 cargos contenant des médicaments, des vivres, des matelas et des moustiquaires. Donc, elles ont été très sensibles. Le problème qui est au Mali maintenant ne concerne pas le Mali seulement, mais toute l'Afrique et le monde entier. Merci madame, merci de votre interview. Nous vous souhaitons bon retour au Mali et bonsoir et notre sympathie à votre époux. Voilà, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage aussi et une pensée, toujours et une pensée pour les femmes du Nord. Chaque fois que vous mangez, il faut penser à elles. Chaque fois que vous êtes dans le confort, dans le luxe, pensez à ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont besoin. C'est une très bonne chose. Comme ça, merci. Vous pourrez les aider. Merci et bon voyage. For helping make this possible. As I said, I'd like to welcome the First Lady of Mali to Washington, D.C. It's a pleasure to meet you. And let me also say that you have come with perfect timing to see the cherry blossoms, one of Washington's most famous sights. Let me say, I think even on a beautiful day like today, and a very exciting occasion, the visit of the First Lady of Mali, it's appropriate to remember also
that Mali faced some very dark days when the government was deposed by a military coup. And rebels and terrorist groups overran the north. We're mindful that during those dark days, it was the courage of leaders like President Traoré who endured great suffering standing up for constitutional order, that kept Mali on the path that it's on today to restoring democracy. So let me offer my thanks, Madam First Lady. To your husband for his sacrifice and his service to Mali. And let me stress, since it has partly come up in the ambassador's discussion, that the United States will continue to be a strong partner of Mali. So let me offer my thanks, Madam First Lady. To your husband for his sacrifice and his service to Mali. And let me stress, since it's partly come up in the ambassador's discussion, that the United States will continue to be a strong partner of Malian leaders. Who remain fully committed to the return of peace, democracy, security, and stability to Mali. We continue to support the efforts of African and French troops in Mali. To restore security in the north, and we applaud the gains made to date by forces from Mali, France, and the African-led international support mission in Mali. And we thank the Malian government for its clear support for an integrated, multidimensional UN mission in Mali. Right now, our representatives in New York are in the midst of negotiations to authorize a UN mission to Mali that can capitalize on the military gains made so far, provide a coordinated international response to the humanitarian crisis in the region, and support the government of Mali's efforts to hold elections and promote inclusive national reconciliation. We stand with the international community's efforts, or we stand with the international community in supporting your country's efforts. To move ahead on political transition. And we applaud the positive steps that have already been taken to implement the political roadmap. Including the establishment of the National Commission, the Commission for National Reconciliation and Dialogue. Mali has reached a critical period in its return to peace and stability.
And it's crucial that Mali continue to make substantive progress on preparations for elections in July. Il est important que le Mali puisse réussir l'organisation des élections de l'année. National reconciliation. Réussir aussi la réconciliation nationale. And reintegration. Et la réintégration du Nord dans le Mali. We look forward to our continued partnership during this critical time. Nous allons apporter notre soutien. And to continue to support the transitional government's efforts to guide Mali to a secure, stable, and democratic future. Thank you very much and welcome again to Washington. C'était dans le discours du représentant des affaires africaines aux États-Unis, l'ambassadeur Peter Bob. Ambassador Taiwan, we're reinforcing the U.S. position to support Mali and its democratic position. And as we conclude, we really must thank Madam Premier Dong for coming and spending time with us, starting us off with remembering the sacrifice that soldiers, the military, had made to secure the North, reinforcing the need for a humanitarian response, giving us very specific examples so that it becomes clear to us what Mali means. We appreciate also the opportunity to hear firsthand the importance of working with women and women's centrality to reintegrating Mali and its social cohesion. We also appreciate the provocative question that we heard so that we got an understanding of what it means for Mali to re-engage in terms of its economic development. And thank you, Mr. Ambassador, for citing it. Not only did you give us a very concise history of what we have seen, but you also talked very specifically about what the U.S. is doing in partnership with Mali to help. I thank you for taking the time in your schedule to meet with Mali Watch. Your presence affirms our existence. We applaud your commitment to the restoration of democracy and look forward to hearing the global remarks. Thank you again. Madame, c'est un moment que vous faites d'être là pour terminer ce matin. Votre présence parmi nous est une prouve suffisante que nous existons. Et notre chef est plus avant de voir la paix de la démocratie sociale et humaine. Nous remercions à notre association de l'observation. Merci. On ne fait pas de papier cadeau et on remet directement. Absolument. Et on continue la tradition, même aux États-Unis. Absolument. Je lui offre ce cadeau, c'est ce monsieur, vous voyez, il a des problèmes, il tient la tête. Il réfléchit. He's thinking. Papa, il faut l'aider. Donc, he needs help. He needs assistance. We just say that really the only thing about it is that this should probably be two heads. Together, Malians and Americans will consider and think and then act together to resolve the problems that affront all of us. It will come. Ça, c'est and pour this is for Vivian, Derek,
Tout repose sur la femme. Pour avoir de la semoule, il faut qu'elle prenne ça. In our society, women play again a very, very, very tremendous role. Elle a un bébé dans le dos. She's having a child in her back. Parfois même un bébé dans le dos, un bébé dans le ventre. Sometimes she may have a baby in the back and one on the belly. She may be pregnant and still continue pounding to feed the family. Donc il faut penser au problème des femmes. So that means we have to think over the problem of women à les soulager, to help them éviter les violences and avoid violence against et leur donner leur autonomie financière and give them the financial independence. I thank you very, very much for this because it really does symbolize what so many of us have come to believe, that this is both women working together, that's the partnership, and it's also, as you said, it's food, it's health, it's sanitation, and together women working with men can really change Mali and restore its democratic tradition. So thank you very, very much. All those who visit your office and see this image will understand that women are suffering. Yes, yes. And it's our responsibility to help them. Thank you. This for you at home. It's a souvenir from Mali. Thank you. I love it. No, no. We're not preparing packs for gifts. We give a gift like that. Direct. Mr. Ambassador, thank you once again for this remarkable gathering. Thank each and every one of you for coming. Madame la Première Dame, nous avons quelque chose à manger. Est-ce que vous pouvez commencer? Tout à fait, tout à fait. We have a lunch? Yes, we have a lunch. And we'll share some Malian dishes here, and yeah, you are welcome. Non, ici qu'après la magnifique séance de conférence débat qui a été offerte ici par African Watch, un groupe des observateurs maliens basé aux États-Unis, que la première dame, avec la participation de l'ambassade du Mali, offre ce buffet à ses hôtes. La première dame, son Excellence Traoré Mintou, qui a expliqué largement la situation du Mali actuellement au moment où elle quittait le pays et qui a éclairci, donné un point de vue très clair au mouvement Mali Watch qui se réunit presque toutes les deux semaines pour le problème malien ici à Washington DC. Nous allons dire merci à tous les participants, d'abord au groupement Mali Watch qui a honoré la première dame en organisant cette conférence, à l'ambassade du Mali par la voix de son Excellence l'ambassadeur Keta qui a reçu ses hôtes dans son local et bien sûr au groupement de l'Afrique Affaires du gouvernement américain et puis du Institut Bridge qui ont participé également à cette conférence. C'est donc le départ de Madame la première dame directement vers l'aéroport Washington DC. Vous avez remarqué tout à l'heure quelques mots de revoir, un point de main, une façon de dire merci, au revoir. Nous vous souhaitons également bon retour au pays natal, First Lady, comme on appelle ici aux États-Unis, Doudou Teklengoulé.